Dans cette nouvelle séance, je vais vous présenter la structure d'une base de données. Cette séance est destinée aux élèves de la quatrième année sciences de l'informatique, présentée par le professeur principal Monsieur Nezahinabil et encadrée par l'inspecteur Monsieur Kamel Zouiwi. Pour vous mettre en situation, notre agence de location de voitures Team InfoCars met à la disposition de ses clients un ensemble de voitures allouées. Et à chaque fois qu'un client loue une voiture, l'agence doit lui fournir un contrat. Ce contrat contient plusieurs informations. Des informations concernant les clients qui a loué la voiture, telles que le numéro de carte d'identité nationale, numéro de permis, nom du client, prénom, téléphone, email, adresse client et gens. Et contient aussi des informations concernant la voiture louée par le client. Tels que la marque de la voiture, modèle, matricule, énergie, nombre de portes, nombre de passagers, la couleur de la voiture, kilométrage, prix par jour, ABS, GPS, alarme et climatisation. Et contient aussi des informations concernant l'opération de location de voiture, telles que la date de départ de location de voiture et la date de retour. À votre avis, où sont stockées toutes les données concernant les voitures de l'agence et ses clients? Très bien, toutes ces données sont sauvegardées dans une base de données. Cette base de données doit assurer d'une part la non redondance et la recherche facile de données, et d'autre part, elle doit assurer la gestion de contrats de location. Tels que la modification, la création et l'annulation de contrats. Je vous pose la question Comment est structurée une base de données C'est à cette question qu'on va répondre tout au long de cette séance et on va voir ensemble la structure générale d'une base de données puis on va voir en détail la notion de table, des champs, des enregistrements et des clés et leurs propriétés. Par la suite, on va voir la notion de requête et quelle est l'utilité de l'utilisation de requêtes dans une base de données, ainsi que pour les états. Et enfin, on va voir comment une base de données est représentée. Et on va parler ici de la représentation graphique et la représentation textuelle. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, on va ouvrir notre SGBD Microsoft Access et on va découvrir ensemble. La structure de la base de données de l'agence de location de voitures. Allons-y et suivez-moi. Voilà notre base de données agence de location de voitures. Cette base est composée par les objets suivants des tables, des requêtes, des formulaires et des états. Nous allons traiter par la suite ces objets un par un. Nous voyons que notre base de données Agence de location de voiture est composée par les trois tables suivantes la table client, table location et la table voiture. Vous reconnaissez toujours les tables grâce à cette petite icône. Nous allons accéder à la table client en mode feuille de données. Et voilà la table client qui contient toutes les informations nécessaires de tous les clients. De notre base de données. Cette table contient aussi les champs de chaque client. Le champ signe client, numéro permis, nom client, prénom, téléphone, email, genre et adresse client. Et pour chaque champ, on a attribué des informations. À titre d'exemple, les clients qui ont comme numéro de carte d'identité nationale. 15 47 98 26 a comme nom permis 18 93 74 et comme nom Ad et comme prénom SM et ainsi de suite. Alors, une table est un ensemble de valeurs et d'enregistrements présentés sous forme de champs et les champs sont les entêtes d'une colonne. Si vous remarquez bien, il y a une valeur un peu particulière qui identifie d'une manière unique la table client. Donc le champ signe client est la clé primaire de la table client puisqu'on ne pourra pas avoir deux clients qui ont la même valeur de la carte d'identité nationale. Donc une clé primaire est une donnée qui identifie d'une manière unique une table. Passons par la suite à la table voiture. On va ouvrir notre table voiture en mode feuille de données et voilà la table voiture contient des informations concernant toutes les voitures de notre agence de location de voitures, telles que NUM châssis, la marque de voiture, modèle, matricule, énergie, nombre de portes et ainsi de suite. La table voiture a comme clé primaire le NUM châssis puisqu'on ne pourra pas avoir deux voitures qui possèdent même NUM châssis. On prend par exemple la voiture qui a comme Num Châssis 1147859, a comme marque Peugeot, Modèle 406, Matricule 3587 TN 2008, l'énergie 5 chevaux, nombre de portes 4 et nombre de passagers égal à 5, et la couleur noire, et ainsi de suite. Ce sont les informations concernant la voiture louée qui a comme NUM chassé 11 14 78 59. Passons par la suite, cependant, la table location est composée par plusieurs champs. NUM contrat comme clé primaire, date de départ de, de location et date de retour. Et si vous remarquez bien, elle contient d'autres champs provenant d'autres tables. Le champ signe client provenant de la table client et le champ num-saché provenant de la table voiture. C'est à grâce de cette migration de clés que la liaison a été réalisée entre la table client et la table voiture. C'est-à-dire, il existe une liaison entre la table client et la table voiture et le champ signe client unum-chassé sont des clés étrangères dans la table location. Pour mieux comprendre la notion de relation entre les tables, on va accéder relation de notre base de données. Et voilà la représentation graphique de notre base de données agence de location de voitures composée par les trois tables suivantes la table client identifiée par la clé primaire signe client avec d'autres champs. La table voiture identifiée par la clé primaire nu, châssis et d'autres champs. Et la table location composée par le champ signe client, c'est la clé primaire de la table client et qui sera comme clé étrangère dans la table location. Et le champ signe client, c'est la clé primaire de la table client et qui sera comme clé étrangère dans la table location. Et on a attribué... Comme clé primaire pour la table location, nu contrat. C'est-à-dire dès qu'il y, qu y aura une location de voiture, on doit enregistrer dans la table location les informations nécessaires des clients, si les clients, les informations nécessaires de la voiture, nu châssis Avec les relation suivante, un client peut louer à la fois une ou plusieurs voitures. Par contre, une voiture peut être louée par un et un seul client. Et voilà la notion de relation entre le table dans une base de données. Un autre objet de la structure de la base de données, c'est la requête. Une requête sert à, à modifier les données d'une base de données, telles que la sélection, la modification, la suppression des données. Il existe plusieurs types de requêtes, telles que la requête de sélection, la requête paramétrée, la requête de mise à jour et la requête d'ajout. Dans notre base de données Agence de location de voitures, nous avons la requête suivante R-contra. Nous, nous allons accéder à cette requête en mode création et nous allons voir qu'est-ce qu'il contient. Notre requête R contrat est composée par les trois tables suivantes la table client, la table location et la table voiture. Dès qu'il aura une location, on doit saisir ou bien on doit introduire les informations nécessaires de la table voiture concernant la voiture louée et des informations nécessaires de la table client concernant les clients qui a loué la voiture. Donc, à travers notre requête je peux choisir les champs nécessaires pour l'avoir dans notre requête. Par exemple, de la, de la table location, on a choisi le NUM contrat. De la table voiture, on a choisi NUM châssis. La marque, modèle, matricule et aussi de la table client, on a sélectionné d'autres données concernant le client, telles que le signe client, NUM permis. Nom du client, prénom du client, téléphone et ainsi de suite pour voir les informations nécessaires concernant les clients qui a loué la voiture. Donc, à travers cette requête, je peux avoir une idée générale sur le contrat de cette location. Si je vais exécuter cette requête, il va me demander d'introduire le numéro de contrat. À titre d'exemple, je vais introduire 001. Et voilà, il va m'afficher à travers la requête les informations nécessaires concernant le contrat numéro 001, la voiture louée, la marque, le modèle et les informations concernant les clients qui a loué cette voiture. Un autre objet de la structure de notre base de données, c'est l'état. Un état est un objet qui permet de mettre en forme des données destinées à être... Imprimé. Nous avons dans notre base de données l'état et contrat suivant. On va l'afficher tout d'abord en mode création. Voilà notre état. À chaque fois qu'un client loue une voiture, on doit afficher dans le contrat les informations nécessaires concernant cette opération de location de voiture, telles que des informations concernant les clients des informations concernant la voiture et des informations concernant l'opération de location de voiture. À travers le tas, je peux par exemple choisir le titre de contrat, je peux ajouter des images, je peux mettre en forme toutes les données de contrat, je peux aussi organiser les données selon le besoin de l'utilisateur pour imprimer ce contrat au client. Donc, si je vais exécuter, notre état. À titre d'exemple, je dois introduire le numéro de contrat, à titre d'exemple 001. Il va m'afficher le contrat qu'on peut l'imprimer directement au client. Ce contrat contient des informations bien structurées contrat de location de voiture, num contrat, des informations concernant la voiture louée. Et des informations concernant les clients qui a loué la voiture. Toutes ces informations sont bien structurées et bien organisées. On a vu au cours de la découverte de la structure de notre base de données Agence de location de voitures qu'elle est représentée graphiquement par le chemin suivant la table des clients. La table location et la table voiture. La table client contient plusieurs champs et a comme clé primaire signe client. La table voiture identifiée par la clé primaire num châssis et la table location identifiée par la clé primaire num contrat et avec deux autres clés étrangères, num châssis de la table voiture et signe client de la table client. Avec les relations suivantes. Un client peut louer à la fois une ou plusieurs voitures. Par contre, une voiture peut être louée par un et un seul client. Il faut faire très attention, la table location toujours contient des informations concernant l'opération de location de voitures. Toutefois, il existe une autre représentation où on écrit le nom de la table suivie entre parenthèses par la liste des champs de la table et sans oublier de mettre en gras et souligner la clé primaire et de suivre la clé étrangère par DS. Cette représentation s'appelle la représentation textuelle de la base de données. Et voilà la fin de cette séance. J'espère que la séance a été bénéfique pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite et merci.